Bon alors du coup. Ouais, c'est bon les cœurs, il me faut des rubis moi. Alors si je fais... ça déjà. Et ça, est-ce qu'on peut accélérer le temps Oui, la nuit du premier jour, parfait. Et on va quand même ralentir le temps. Parce que... il faut que j'en fasse une autre fois. Ouah, il est complètement stylé comme ça, putain, c'est... comment il s'appelle? Shao Kahn. Hashtag je suis Shao Kahn quoi. Bon, dans, allons dans le cimetière. Ouah. Bonjour. Hein? Ah mon capitaine, à vos ordres. Section, garde à vous. Capitaine, cela faisait longtemps que nous avons vu. Selon vos ordres, nous avons gardé cette ombre avec vigilance. Nous attendons vos prochains ordres, mon capitaine. Ouvrez les tombes. Les ouvrir, mon capitaine? Oui, mon capitaine. Les sections, suivez-moi! Non, j'ai dit ouvrir, pas défoncer. Bon. Sous le cimetière. Ah, ça rappelle l'épreuve qu'on a fait avec le vieux con. Waouh, tellement trop de chauves-souris. Voilà. Allez, il est pas trop dark comme ça, Link. Un rubis violet, 50 rubis. Ah bah oui, ça m'étonne, ça me fait sourire. Ça élargit beaucoup mon porte-monnaie. Ça élargit ma bourse. Putain, ta gueule. Ferme-la. Alors... j'ai raté? Non, j'ai pas raté. J'ai pas raté... oh merde! Tu m'attaques pas? Alors, est-ce que ça marche sur toi? Ça marche pas. Aïe! Et ouais, moi je joue à For Honor, mec. Et à Nioh.
Putain, c'est la... C'est le message du chevalier du Sagittaire. Es-tu celui qui a libéré mon âme? Putain, c'est Donald. J'ai servi la famille royale Icana. Je suis Bémol, le compositeur. Lol, pouce bleu. Les chants de la famille royale qui sont inscrits ici ont tous été composés par mon frère et moi. Oh dièse, mon cher. Ah, j'aurais pensé que c'était Bécard, du coup. Il a vendu son âme au diable et m'a enfermé ici, il y a bien longtemps. À toi qui ne semble pas avoir peur des morts, apprends ce chant qui est inscrit derrière moi. Et si jamais tu rencontres mon frère un jour, je voudrais que tu lui dises ceci. Va bien te faire enculer, salvateur! Les siècles de pluie que ce chant amène ne sont autres que mes larmes. Des larmes coulent sur mon jeu. Bref. Et le tonnerre qui frappe la terre n'est autre que ma colère ancestrale. J'ai fait ma requête. Est-ce que c'est le chant des tempêtes? Les siècles de bruit, d'accord. Ici est écrit le chant qui pourra purifier son cœur noir et corrompu. Ah ouais, Song of Storm. Ah, c'est étonnant. Vous avez appris? Enfin, vous avez réappris? Le chant des tempêtes! Et c'est cette mélodie que vous avez déjà entendue. Elle dissipe les malédictions. Ah bon? Ça fait ça. Bah, c'est très bien. C'est très très bien. C'est par là. On va remettre des flèches normales parce que la mana c'est pas infini. Et je farmerai un jour les quêtes annexes, les fées aussi, parce que j'imagine que c'est ça qui va augmenter ma barre de mana ainsi que tout ça quoi. Bon bah on va se casser hein. Voilà. Est-ce que c'est là qu'il faut aller? Parce qu'on dirait quand même. Que cherches-tu dans un endroit pareil? La colline Icana au-delà est un endroit où les esprits sont en peine, se regroupent. Et maintenant les esprits rentrent ce lieu et à la recherche d'un être qui pourra les sauver. C'est malheureux, ce n'est pas un endroit pour un garçon gorgé de vie comme toi. Mais si toutefois tu désires quand même y entrer, il te faut obtenir, près du ranch, le masque qui contient l'esprit des ombres. Sans ce masque, tu ne pourras sauver leurs âmes perdues. Putain, mais vous faites chier. En attendant, je te laisserai pas pénétrer dans cet endroit mais au lit. Ok, va t'en pis. Voilà, en fait c'était ça. Donc. On va passer à l'aube, du coup. Très bien. Mmh.
Est-ce que ce truc à quatre pattes est ton cheval? Au début, je pensais que c'était une mule. Mais c'est pas petit frère. Tu crois que ce truc ridicule pourra galoper si tu poussais vers l'avant? Et est-ce qu'il le lierait plus vite si tu appuyais sur le A? Ce gars est un rigolo. Pourquoi tu ne donnerais pas 10 rubis pour faire une course contre nous? Si tu gagnes, je te donnerai quelque chose de bien. Vas-y. C'est une simple course. On va faire juste un aller-retour, un tour de piste. Si tu passes le premier, tu seras le gagnant. Yeah, tu es prêt? It's me. Des carottes, s'il te plaît, des carottes. Ah non! Putain de ta race! Ok, bon, maintenant j'ai vu. Allez, on va faire la course, tant que j'ai des rubis. Sinon, je serai obligé de farmer. On essaie de rester devant. Oh non, oh non. Oh les carottes! La carotte des carottes! Putain! J'ai pas vu qu'il y avait plus de carottes! Ah le harcèlement quoi! En plus c'est quand même des bâtards parce qu'ils sont deux! Donc ils ont quand même 2 chances sur 3 de gagner! De garder les 10 rubis! C'est quand même des gros enculés. Et en plus, ils font exprès de me gêner, ces bâtards. Faut jamais faire confiance aux plombiers. Surtout à ceux-là. Normalement, je suis premier là. Normalement, j'ai gagné. Crois pas, on a perdu. Grand frère, je te demande. Je me demande si on peut donner ça à ce gamin. En plus, ils veulent m'arnaquer. Il faut lui donner quelque chose. C'est qu'un gamin, il ne saura pas quoi me faire. Ça devrait aller. Ah, vous obtenez la cagoule garo. Vous aussi, vous pourrez aller aux soirées sadomaso. Cette cagoule appartenait autrefois à un terrible ninja qui est apparu dans la vallée d'Ikana. Mais en échange, tu dois garder le secret.
tu n'as pas dit à la personne que, nous a, que tu l'as eu. Ou tu l'as eu. Ou alors à plate couture, peut-être pas abusé. Les frères Gormand ont été ajoutés dans le journal. Ces gros bâtards. Alors est-ce que je peux... Ouais non, ça change rien de toute façon. Ça change rien. Je vais quand même aller me recharger en rubis, en deux spi. Alors, on va tout de suite mettre la cagoule, hein. Voilà, je suis Kamen Rider, le chevaucheur masqué. C'est par là, normalement. C'est à côté de la tente. La tente, lol. C'est bien le joli masque que tu portes. C'est le masque du chef du clan des ninjas qui autrefois a été venu pour étudier dans le château Ikana. Avec celui-ci, tu peux pouvoir appeler les esprits des ninjas égarés. Peut-être seras-tu capable de les aider. Pendant que je me fais bolosser par la moitié du monde. Prêt. Ninja. Oh bah t'es beau toi. Oh. Oh oui, oh oui, oh oui. Putain, mais les bruitages, quoi. Valikana. C'est qui, lui? Wesh. Monsieur, t'as pas de cigarette? Ah, voilà une belle épée. Savais-tu que dernièrement, les fantômes sont apparus par milliers dans le village Ikana, de l'autre côté de la rivière? Il paraît que ce sont les fantômes de la famille royale Ikana. Plus personne ne vit là-bas, c'est complètement désert. C'est pour ça que je suis parti. Je crois qu'il reste quand même un homme et sa fille qui enquêtent sur les fantômes. Putain, il y a du Gus DX, quoi. C'est vraiment une belle épée que tu as là. Tu peux la voir à l'instant? Alors, moi je dis ça pue du cul. Hein, donc je vais regarder si on a le droit de répondre. Bon, dans le doute, je vais dire non. Oh, très bien. Ce serait quand même la baisse qu'on se fasse voler notre épée. Waouh, maître, ordonne et j'obéirai. Qui êtes-vous? Fermez ta gueule. Voilà qui est regrettable, tu étais un adversaire vaillant.
Je tiens ma révérence en ouvrant mon esprit et mon cœur. La sagesse s'échappe de mes lèvres. Et pour franchir la vallée d'Ikala, il te faut décocher des traits de glace sur les créatures de la rivière. Défiance et méfiance sont tes compagnons. Et mourir sans laisser de traces, atteler la voie des garous. Ah merde. Ah, c'est les ninjas nuls, en fait. Ah, bordel de merde. Ah ouais, c'est triste. Mourir sans laisser de traces, quoi. Je trouve ça un peu nul. Merde. J'ai tombé. Donc, flèche de glace. Oh, gros bâtard! Ça va pas se passer comme ça, moi je te le dis. Hein. Voilà donc. Non mais mets-toi droit. Ne fais pas l'enfant. Oh putain de ta grosse mère. Ah ça va m'énerver. Voilà. Ça, vous allez me saouler. Hein. Voilà, donc. Fais pas genre, hein. On fait pas le malin avec Naruto. Il y avait une grotte quand même. Ah d'accord. Oh Tingle, salut. T'inquiète pas, je t'ai vu, mec. D'abord, je réveille le hibou. On va être ordonné, j'obéirai. Allez, c'est vrai que cercle de flamme. Tu penses que je vais me suicider comme les scorpions? Voilà qui est regrettable, tu étais mon adversaire vaillant. Je tiens ma révérence en ouvrant mon esprit et mon cœur, la sagesse s'échappe de mes lèvres. Celui qui entre dans la source souterraine, sans les notes de chant gravées sur la tombe, s'exposera au désastre. Les fiances et méfiances sont tes compagnons, et mourir sans laisser de traces, telle est la voie des garous. Les pires ninjas du monde. Ah bah c'était pas là. Oui oui Voilà. Donc. Ouais. Pour libérer la rivière asséchée, tu dois aller dans la source souterraine. Défiance et méfiance, t'es, oui. T'es la voix des garous. La voix des garous, quoi.
Mais là, ça veut dire c'est des fumeurs, c'est des ninjas fumeurs en fait. Il est remonté. Non mais ça suffit. Ce mec a remonté quoi. Putain de Looner. Donc, machin. Lui. Une fée, tout ça, on connaît. Pour clocher, mais on s'en branle. Forteresse de pierre, évidemment. Vous savez, la carte de la forteresse de pierre, vous pouvez maintenant vous diriger dans le canyon. Une flèche rouge, ah oui, bon, merci, on sait comment ça fonctionne. A bientôt. Ah, tingle, tingle, coulalimba. Gros psychopathe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Oh le bâtard! Et on se reverra la prochaine fois? Donc je vous fais des bisous et des bisous! Et on est bien content que ma Wii, enfin ma nouvelle Wii, ne plante pas. Voilà. Bye!